Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette réflexion biblique, réflexion de cet évangile de ce dimanche 21 juin, où nous célébrons aussi de façon très particulière la fête des papas, fête des pères, et à qui nous souhaitons une bonne journée, une belle journée de cette fête de la paternité. Écoutons la parole de Dieu, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui fait périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Nous venons de lire ce chapitre 10 de saint Matthieu. Ce qui est juste avant ce chapitre, qui commence par dire « Ne craignez pas », c'est l'envoi de Jésus. « Je voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Et quand il parle, Matthieu, à sa communauté, 50 ans, pour bien le penser, après la mort et résurrection de Jésus, il parle à une communauté qui est persécutée, littéralement. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais ne sont pas capables de tuer l'âme. L'âme, anima en latin, c'est précisément ce qui nous fait vivre. Si on est juste un corps, on est un cadavre. Mais si on est un corps et une âme, on est une personne vivante. Qu'est-ce qui nous fait peur? Évidemment, plusieurs me diront, où est-ce que tu étais les trois derniers mois? Oui, on a entendu beaucoup ce mot, la peur. On a peur de tout ce qui peut nous enlever notre santé, tout ce qui nous menace, fût-il un minuscule virus qui fait des ravages. Est-ce qu'il y a plus de peur que de mal? Dans notre vie plus personnelle,
dans nos familles, qu'est-ce qui nous fait peur? De quoi aujourd'hui le Seigneur nous dit « ne craignez pas ». Ne craignez pas. Et on n'oublie pas que l'Évangile de Matthieu se termine sur une promesse du Seigneur qu'on a vue à la fête de l'Ascension. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est donc assez extraordinaire de penser que le Seigneur, aujourd'hui, maintenant, avec chacun et chacune de nous, il est avec nous. Si vous lisez, si vous écoutez aujourd'hui toutes les lectures de la liturgie, eh bien, vous allez voir que la première lecture vient du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, qui, au chapitre 20, est à peu près, ça fait à peu près près de 40 ans qu'il est prophète. Il a commencé jeune. Il a commencé à être tout feu, tout flamme. Il a commencé pas parce que lui voulait, mais parce que le Seigneur l'a appelé. Il était très jeune. Sa mission n'était pas une mission facile, parce que c'était une mission qui disait à son peuple qu'une autre nation était pour détruire, envahir Jérusalem, Israël. Et c'est ce qui s'est produit. Parfois, les prophètes nous dérangent et sont, par définition, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui nous dérangent. Qui nous dérangent dans nos habitudes, dans nos convictions, dans nos façons de faire, parce qu'on a toujours fait comme ça. Le prophète vient nous dire, il faut que tu changes. Il faut que ça change. Et les grandes crises de l'histoire de l'Église nous ont amenés à changer. Et mais c'est souvent les crises qui nous amènent à changer. Aujourd'hui, nous pouvons nous demander, cette crise, cette pandémie d'aujourd'hui, nous invite à quel genre de changement? On nous dit maintenant, aujourd'hui, qu'à partir de demain, nos églises et notre culte peuvent réouvrir graduellement. Mais est-ce que nous allons refaire exactement comme nous faisions avant? On sait très bien que non. Beaucoup de choses vont changer. On ne réouvrira pas demain matin, parce qu'il faut maintenant nous préparer. On a des codes de santé, d'hygiène, un protocole qu'il faut construire. Il faudra réapprendre à célébrer ensemble et on va le faire progressivement. Probablement qu'on ne se rue pas aux portes des églises. Et nos nombres seront plus petits qu'avant, en tout cas pour un certain temps. Mais peut-être que ça va nous inviter à redécouvrir, et peut-être que ce 3 mois de jeûne eucharistique nous aura invité à voir les choses différentes. Pendant cette période-là, beaucoup de choses ont changé. Il y a des personnes qui nous ont quittés. Ici, dans l'église de Sainte-Geneviève, où nous sommes aujourd'hui, nous n'entendrons plus Jeannot Turcotte à l'orgue, ni à Saint-Mathieu. Aujourd'hui, nous prions spécialement et nous rendons grâce au Seigneur pour sa vie, une vie généreuse. Je vous avoue qu'avoir célébré avec Jeannot Turcotte qui accompagnait nos célébrations était pour moi une grande joie. Un homme qui connaissait la liturgie
et qui savait intérioriser la parole de Dieu en musique. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais il ne sera plus physiquement avec nous. Mais il sera toujours avec nous aussi. Ainsi que toutes les personnes qui, je suis sûr, nous ont laissés. Dans vos familles, vos amis, et on en connaît plusieurs. Je marche encore, je marche toujours, et je cherche ce qu'est l'amour. Et je cherche ce qu'est l'amour. Alors que le Seigneur nous aide à être ses témoins. Mais un témoin, c'est celui qui a du courage. C'est celui qui n'a pas peur d'affirmer qu'il est disciple du Christ. N'ayez pas peur. Celui qui me va me proclamer, me reconnaître devant les hommes, je le reconnaîtrai. Mais celui qui me renie, mais peut-être bien qu'un jour, je le renierai moi aussi. N'ayons pas peur de dire qui nous sommes et de rendre témoignage de l'espérance et de la joie de l'Évangile. Que le Seigneur nous aide à grandir comme communauté, autrement à partir de maintenant. Mais ce autrement sera peut-être un plus dans notre vie spirituelle et dans la redécouverte de l'Eucharistie comme vraiment le sacrement de la communauté. Amen.